Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour la continuité du let's play de Lost Ember. C'était arrêté dans les montagnes avec une tempête de neige, de froid, de vent. En découvrant petit à petit l'histoire. Alors les noms, je m'en rappelle jamais, mais de la fille avec son père finalement qui la poursuit, qui est un soldat. Et cette louve... Ou à chaque fois, on nous fait sous-entendre que finalement, c'est elle, mais... On va savoir. En tout cas, c'est l'âme qui nous accompagne. Suppose. Et moi, je serais pas curieux qu'à la fin, on nous dise, ben non, finalement, c'était pas elle. Allez, allons-y. Regardez, la poursuite continue. On voit rien. Tiens. Comme je disais, la dernière fois, elle a 3.8, là. Alors attendez 2 secondes. Voilà, je pense que ça ira mieux. Ouais, il y avait un petit décalage. Ça c'est le style un peu. Je me dis c'est bizarre, je vois la lever la tête, mais je vois pas, j'entends pas le son. Ça devient dur d'avancer. Le chapitre 6, Temple du Soleil. Ah, elle a du mal à avancer, hein. Ah, les cailloux nous cachent. Ok. Allez. Allez, ma belle. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Ah voilà. Oui, c'est le chiot, mais comment comprendre que finalement il y ait une certaine comment dire? Parce qu'ils ont l'air de se comprendre quand même avec l'âme. Après, c'est une âme, ça reste une âme. Une âme n'a pas le langage forcément humain. Une âme a un langage. Là, moi je m'emmène dans des endroits pour trouver des champignons. Super. Ok. J'aille jusqu'à là-bas. Allez. Ouais, elle veut pas courir, hein. Allez. Voilà. Oui. That's what you were doing now, trying to lead them to understand.
by showing them the past. Sachant que le père est à tout moment derrière, dans le froid. Ah, il pense. Ça y est, son cerveau s'est réactivé. Il ne sait pas encore. Confusion. Malaise. Ai-je fait les bons choix? Ah bah, vu sa réaction. Wolf! I'm sorry! Please! Where are you? Wolf, I didn't know, I swear. I'm a terrible person. No, I don't deserve your forgiveness. Il continue à courir. Donc c'était finalement la fatigue en fait. Je me suis demandé s'il allait pas bien. Ben dis donc, on va faire du chemin. Ah, bizarrement maintenant il y a un chemin qui va devenir de plus en plus petit, c'est ça? On arrive devant le temple du soleil. Pas trop de soleil, hein.
Ils sont pieds nus, hein. Après, on sait pas vraiment s'il neige là-bas. À ce moment-là. Just come with me already. What are you trying to prove? You've lost. Accept it. I don't accept anything. It's your fault. All of it. Kalani, stop. Are you too afraid to open your eyes for once? Stop. Kalani, stop it! Kalani! Ah ouais, bah fallait pas pousser aussi fort quand même. Surtout si... Je veux bien prendre au sérieux le truc, mais bon, quand tu sais qu'il y a un truc, il y a du vide derrière... Voir s'il y a une tempête, il le voyait pas, je sais pas. What did you make me do? Et il continue à dire ça. Alors, c'est la même idée que l'autre, sauf que là c'est un triangle au lieu d'une boule. Chacun plie le genou devant le truc. Et...
Alors ça va être quoi la suite? Ok, donc là pour l'instant il l'emmène. I killed you. Wolf. I don't know what to say. Alors il a fait genre il est parti et tout. Dur de savoir courir ou pas courir. Je pense dans des petits moments comme ça pour accélérer le trollering, des fois c'est bien. Enfin, je sais pas. Wow. Wow. Oh, est-ce qu'on va voler? Bah oui, à tous les coups. Ah oui. Et ça va emmener où? I hope you can forgive me, Kalani. I would understand if you just leave me here. I don't deserve the City of Light. I don't deserve you. Maybe we should get back down now? Je vois pas le sol. Ah oui, non, mais on est dans un autre monde là, carrément, d'accord, oui, enfin. Salut Arzer, ouais. L'histoire m'a totalement prise. C'est comme un enfant. Bon, désolé un peu pour le... Essaye de le cacher au maximum. Parce qu'il faut que j'aille sinon fermer le volet. Il faut que je traverse. Ah mais je crois que oui en fait. Moi depuis tout à l'heure je friend I know.
That looks like a whisper stone. Is that... I remember now. I gave you a funeral here. I know you didn't believe in the ritual, Kalani, but this meant a lot to me. Kalani, I finally realized what you were trying to tell me with all this. Why you brought me here. I was wrong about it all. I've always been. It was never you who needed guidance to the City of Light, was it? It was me. I'm the Lost Ember. Do you see this? Do you know what this means? That's the City of Light. It has to be. Come on. C'est joli là. Là, ça pète la classe.
You Pira. Presque envie d'en faire un, ben justement un truc, qui n'ait pas tant d'attente ou sur le stream, d'exploiter un peu ces images. Marqué en dessous, Pierre. Lost Ember. Understand. Maybe it wasn't. Ils ont dit non. Maybe there isn't even such a thing. Maybe this whole idea. Who even needs it anyway? If there's one thing I learned. It's you and me, Wolf. That's really all I needed. What? Kalani? But I... Wolf. C'est mignon. En soi, l'idée, c'est quoi? C'est que finalement, c'est une âme égarée?
Ok. Très très cool. Bon, on se doutait que c'était un peu vers la fin finalement ce chapitre-là. Take shelter from the sun and grow in shade. And où ils étaient, tiens. Game design. Merci, je revois plus ou moins les noms. And learn to soar the skies once again. Believe in your destiny's hand. GG. C'était un petit truc cool, franchement. C'est le genre de petit jeu des fois que j'aime faire, donc. Il rentre totalement dans la catégorie. Alors, faut savoir, du coup, pour YouTube, de toute façon, si vous entendez ça, vous avez peut-être regardé jusqu'au bout. Et du côté de Twitch, bah, dans tous les cas, tous les épisodes seront disponibles sur YouTube. Vous voulez revoir à peu près si vous avez manqué peut-être une partie, le début, je sais pas. Mais franchement, il était très prenant. J'ai bien aimé. Alors, c'est sûr, c'était très chill parce que pour le coup. Il y a pas vraiment eu, il y a même les énigmes ou quoi que ce soit, il fallait juste explorer en fait. Il y a eu de très bonnes phases où on switchait d'animal et on se retrouvait genre le moment de du sable avec les buffles, le moment en oiseau, en perroquet à ce moment-là, les moments où même on est une genre de truie. Bien le poisson, hein, c'est ça, je me trompe pas. Donc on se retrouve à glisser sur des zones et tout, c'était top. Je suppose que c'est tous les testeurs, ça. Bah. Non, franchement, très très cool. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce petit let's play court pour aujourd'hui en soi sur Twitch parce que c'est le seul épisode qu'on a fait par rapport à la dernière fois, mais. Il y en aura d'autres, hein. Il y en aura plein des let's play comme ça. À chaque fois, je vais en chercher, je vais fouiller, je vais essayer de dénicher des petites perles comme ça, des petits trucs qui fait passer des bons moments. Pas compliqué, pas prise de tête, pas grande réflexion. Des fois, juste on se lance dans un truc et c'est une petite aventure de comment on dirait en français hors game. Un petit moment vidéoludique. Non? Ok, bah. Je vais peut-être voir si je peux pas récupérer des petits moments sur le jeu. Les record et essayer de les exploiter, je sais pas, pour les faire apparaître en stream. Je sais pas, notamment une petite pause, peut-être sur un bon moment. Il y a peut-être moyen de faire un beau truc, faut voir. Il y en a eu des testeurs. Si c'est parce que je pense que c'est ça. C'est tous ceux qui ont approché le jeu de très loin, mais qui ont quand même donné peut-être qu'un avis ou entre guillemets. Avec la luciole, putain, ouais, ce moment avec la luciole où on se retrouve dans un champ en pleine nuit avec toutes ces lucioles qui s'envolent et finalement pouvoir incarner une des petites lucioles et se retrouver dans les milliers de lucioles copines et hop, ça éclaire la zone. Ouais, c'est vrai que c'était top. Hein. Derrière l'univers sonore des GTA et Red Dead Redemption, bah tu vois. Allez. Du coup, on s'arrête là. Je vous fais des gros bisous YouTube et je vous dis à un prochain let's play. Ciao, ciao.